Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon passage sur Touche pas à mon poste sur C8 avec Cyril Hanouna. Blablabla. Vous avez été énormément de personnes à me poser des questions. Souvent, c'était les mêmes questions. Donc, merci beaucoup. Voilà, place aux questions. Alors la première question, c'est comment tu es apparu sur TPMP comme ça Alors il y a des gens qui pensent que j'ai été invité de Touche pas à mon poste pour être pour parler avec Cyril Hanouna. Or c'est faux, je tiens à le préciser en toute franchise, donc j'ai traversé des barrières qui n'étaient pas légales, tu vois. Donc je me suis inscrit pour être dans les spectateurs et ça demande un mindset, un état d'esprit, c'est un peu particulier, je reconnais. Mais voilà, j'ai dû passer beaucoup de barrages de sécurité et on me dit, alors je vais en parler tout de suite, la sécurité. Il y a des gens qui me disent que la sécurité est un peu nulle en fait dans ce genre de situation. Je trouve que le contraire, elle est très bonne puisque pour ceux qui auront vu la vidéo, au moment où je saute sur la scène, je me dis facilement que je vais atteindre Cyril Hanouna. Je cours assez vite quand même, je fais des courses en compétition de temps en temps, une fois par mois. Je me suis dit je vais le toucher façon de dire, l'aborder à moins d'un mètre sans me faire interpeller. Mais je me suis fait interpeller, les gars ils sont forts en fait. Voilà, ça, voilà c'est un aparté parce qu'il y a des gens qui me disent qu'a fait l'équipe de sécurité, apparemment il y a des gens qui auraient été virés carrément. C'est surtout pas à faire, je trouve pas que c'est comme ça qu'on règle les choses. Question les amis. Donc oui, alors quel a été mon état d'esprit ce jour-là? C'est bien résumé, j'avais des auréoles sous les bras, vous avez vu ma chemise, j'étais complètement auréolé. Pourquoi? Parce que je mets pas ou très peu de déodorant, parce que je trouve que ça pue, ça pue les insecticides en fait. Voilà, donc j'en mets vraiment avec parcimonie et c'est un choix de vie. Donc quel était mon état d'esprit? Mon état d'esprit, c'est celui d'un concurrent, un petit conquérant. En fait, je suis assis en haut d'un escalier. C'est le bon Dieu qui m'a donné cette place en fait, parce que c'était vraiment attribué au hasard. Et donc au moment où je vais sauter, je le dis assez difficilement, mais c'est comme ça qu'on peut exprimer ce qui s'est passé. Au moment où je saute, je me dis mais j'ai fait 3, 2, 1, go, 3, 2, 1, go. J'ai dû faire plusieurs fois ça avant de me lancer. Et je me suis dit allez, prochain sujet, j'y vais. J'ai fait 3, 2, 1 et j'y suis allé, j'ai foncé. Et c'est un autre Jordan à ce moment-là qui saute. Le vrai Jordan est resté assis. Le Jordan foufou, le nouveau Jordan, disons, il allait sur le plateau. Voilà, vous savez tout. Alors comment j'ai réussi à faire passer mes documents? Pour ceux qui ont vu encore une fois mon intervention, j'ai fait une feuille A4 avec marqué YouTube Jordan Mouraud. Et on n'a pas le droit en fait d'avoir de documents parce qu'on est vraiment fouillé de A à Z sauf le Z en fait. Pardon, on est fouillé de A à Z sauf le Y. Donc il manquait une petite case en fait. Nous ne sommes pas fouillés au niveau des parties intimes. Voilà. Et donc bah, c'est là que j'ai dû mettre ce qu'il fallait pour passer, faire passer 2-3 feuilles. Voilà, voilà. Autre question. Vous me posez la question de savoir si je vais être réinvité par TPMP. Alors, je vous dis que c'est en cours de négociation. Ça ne se passe pas comme ça. C'est pas bonjour, je vais être invité ou réinvité. C'est un long processus. C'est pas je décide et ça va se faire. Ça, c'est dans les livres à 2 balles en fait. Il y a des coachs qui vous disent si vous voulez faire quelque chose, vous devez le conceptualiser, mais ça ne suffit pas, ok? Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Mon petit secret, je peux vous le donner, je passe 1 heure par semaine à étoffer mes relations. C'est-à-dire que je prends 1 heure et je me dis qui est-ce que je peux contacter pour aller dans le sens du projet. Voilà, autre question les amis.
Alors les amis, un peu d'humour, voici ce que j'aurais pu faire si j'avais pu rentrer ce que je voulais sur le plateau. Olé olé, vous êtes cernés. Cyril Hanouna et toute l'équipe, allez sur YouTube, Jordan Bourreau. Mais ça ne se passe jamais comme prévu. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont allés voir mon contenu quand je suis passé sur le plateau. Donc ça fait un petit buzz, hein, un buzz médiatique. Et donc il y a beaucoup de gens qui ont eu raison de m'interpeller à dire « Mais Jordan, ton contenu, c'est pas de la qualité. » Oui, oui, c'est vrai. Ce n'est pas la qualité du niveau d'un premier YouTuber de France, je sais. C'est d'ailleurs pour cela que je ne suis pas premier actuellement de cette vidéo. Mais en même temps, je me dis, il y a une marge de progression tellement énorme. Pour moi, je vois cette chose dans le bon sens. C'est-à-dire que je me poserais vraiment des questions si mon contenu était déjà d'excellente qualité. Parce qu'il n'y aurait plus de marge de progression, tu vois. Alors que là, je suis un peu le pio, tu vois, le David contre Goliath. Je lance, quoi. Hein. J'ai pas d'autre choix. Et à un moment donné, bah, à un moment, tu lances tellement de cailloux que ton adversaire, il est obligé de s'en prendre un coup quelque part. Voilà la façon de faire. Et je compte beaucoup sur la visibilité, contrairement aux youtubeurs amis qui sont dans le top 5-10 en France. Je compte beaucoup sur la visibilité. Alors, pour ceux qui veulent en savoir plus, je spoil un peu, je sais, mais vous m'avez posé beaucoup de questions. Quand ce sera le moment, je vais sortir un livre par rapport au pourquoi du comment sur YouTube. Voilà, pour moi, c'est une passion. Je pense que ça se voit un peu. Et en gros, une passion, qu'est-ce qu'une passion? C'est une passion, tu peux travailler dessus, travailler, attention au mot travailler, je déteste ce mot. Tu peux t'amuser, voilà, au lieu de dire travailler, pendant des heures, des jours. En gros, tu peux sécher sur ton bureau. Tu peux mourir de faim, mourir de soif et continuer, tu vois. Tu continues jusqu'à ton dernier souffle. C'est un peu ça, pour moi, le sens du mot passion. Attention, veillez à vous quand même. Autre question. Oui, alors vous m'interpellez beaucoup par rapport à Manu parce que j'ai fait une publicité ou une contre-publicité, à vous de décider sur le plateau de Touche pas mon poste. Et donc je tiens à préciser que, suspense, donc il n'y aura pas de spoiler sur la réponse à cette question, mais donc c'est encore une fois en cours de négociation. Sachez que je suis plus proche de repasser, de passer chez Manu dans le 6-10 que de passer ou repasser dans Touche pas mon poste. Voilà l'état actuel des choses par rapport aux négociations. Parce qu'un média, quand il t'invite, c'est pour apporter quelque chose. Voilà, alors chacun son marché, disons. En tout cas, mon marché, c'est d'apporter du bien aux gens. Quitte à passer pour un con, je sais, mais si les gens ont dit, si certains d'entre vous ont pris plaisir à hater mon contenu, etc. Et bien finalement, pour moi, c'est une bonne chose parce que cela vous permet de vous retirer des sentiments mauvais. En tout cas, je l'espère vraiment. Parce que si vous criez une fois, bah faites-le une bonne fois. Et si c'est contre moi, et bien tant pis pour moi ou tant mieux pour moi. Et j'espère tant mieux pour vous. Après, vous êtes heureux et passionné à vie, tu vois, tu peux aller vraiment vers tes projets. Parce que imagine si tu critiques toujours les gens, quand tu critiques quelqu'un, tu perds du temps. Excusez-moi de parler comme ça, mais le temps de dire « Toi, je te déteste », tu as perdu 2 secondes de ta vie. Voilà. Et là, j'en perds encore plus. Vous voyez sur cette vidéo. Donc, stop. Prochaine question. Donc, vous me demandez quel est mon objectif, en fait. Donc, premier YouTubeur de France, c'est finalement une image parce que ça veut dire quoi être premier YouTubeur de France? Chacun a sa réponse. Bon. On peut se baser sur un nombre d'abonnés, sur un nombre de vues, sur un nombre de je ne sais quoi, de likes. Mais tout cela reste superficiel. Pour moi, le plus intéressant, c'est que vous mettiez en œuvre ce que vous souhaitez faire dans la vie et d'aller jusqu'au bout. Ok? Donc, qu'est-ce que je propose? Ensuite, je propose des formations. Mais vous les faites ou pas, je m'en fiche. J'ai des livres. Bientôt, ou en ce moment, vous regardez sur la rubrique boutique
de la chaîne YouTube. Donc vous avez une boutique, attention, elle est en cours de transformation et je suis en négociation. Alors attention, je ne peux pas tout vous dire, hein. Vous allez voir les choses au fur et à mesure. Je suis en négociation avec un distributeur qui travaille avec l'Elysée. Je vous assure, c'est très sérieux, mais ça prend des mois, des mois, des mois et des mois. Tu rames comme ça, tu vois. Ça se fait pas du jour au lendemain. Alors, il y a des gens qui ont l'impression que j'arrive à obtenir tout comme ça. Par exemple, on parle des abonnés. On dit, Jordan, t'as beaucoup d'abonnés. Et en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas votre vision, disons. Vous avez votre façon de penser. Mais ce que je veux dire, est-ce que vous voyez ce que je fais derrière? Là, vous voyez, c'est la caméra, c'est bien. Ça prend 10, 20 minutes le temps de la vidéo. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ne vont même pas regarder toute la vidéo et qui vont se permettre de dire « je le connais complètement » et « je peux le critiquer complètement, de complètement, de complètement », tu vois. Attention. Donc, sachez que je mets en œuvre ce qu'il faut. Je vois avec qui je dois travailler pour avancer positivement. Je dois organiser mon temps, c'est pas évident parce que j'ai une entreprise dans les services à la personne. Je fais en sorte de faire un peu moins de services à la personne. Je ne prends plus de nouveaux clients et tout doucement je mets un peu de YouTube dans ma vie, voilà. Et donc, est-ce que vous m'avez peut-être déjà vu sur les réseaux sociaux? Bah oui, forcément, vous êtes là. Mais le but, c'est d'être sur le terrain. Donc, j'entame un tour de France pour voir les gens dans les villes. Et surtout, donner de l'espoir. Alors, donner de l'espoir, je l'ai précisé. Alors, j'aime bien prendre le couteau un peu et aller là où ça fait mal. Il y a des gens qui vont me dire, mais il n'y a plus d'espoir. Mais tu crois que tu m'apprends quelque chose? Alors, dans ces cas-là, moi, je suis heureux que les gens vident leur sac. Parce qu'à un moment donné, j'espère pour vous que vous allez passer à l'action pour faire ce qui est important pour vous. Ok? Je reviens encore. Alors, je repère encore 3 secondes. Attention à critiquer les autres, c'est bien, mais il faut que ce soit constructif et que ça vous serve à un moment donné. Si c'est juste pour tuer les gens, ça ne sert à rien. Voilà, prochaine question. Oui, alors je souhaite quand même répondre à la polémique. Finalement, elle me plaît bien, cette polémique. On me dit que je ressemble à Macron. Alors, vrai ou faux, chacun se fera son idée. Mais en tout cas, vous me comparez à quelqu'un quand même qui est président de la République. Bon, quelle que soit votre pensée politique, franchement, moi, ça me va. Après, même si vous me comparez à quelqu'un, disons, une personnalité forte... mais qui a une stature quand même respectable, et ben, dans tous les cas, je prends. Voilà. Est-ce que je ressemble à Macron? Je sais pas. C'est à vous de juger. Hein. Mais c'est une fausse polémique. Et s'il n'y a plus que ça à dire, c'est que le monde se porte très bien. Ça veut dire que si on n'aurait plus qu'à parler de ça, que je ressemble à Macron, ça veut dire qu'on n'aurait plus à parler de cette saloperie de guerre, on n'aurait plus à parler de l'augmentation exponentielle des prix, on n'aurait plus à parler de pauvreté dans le monde. Voilà, je prends, s'il y a des sujets comme ça, même qui me mettent dans le caca, et ben tant mieux. Bah, parlons de ça, parlons de choses légères. Ça fait du bien de temps en temps. En tout cas, vous êtes ici pour ça. Mais pas que pour la légèreté, vous êtes là aussi pour passer à l'action, chers amis. Et pour moi, la plus grande fierté, c'est que vous quittiez cette vidéo et vous dire « Là, je passe à l'action tout de suite. » Voilà, c'est pas « On verra demain, on verra demain, je dois faire les courses demain, je dois faire du sport demain. » Demain n'existe jamais, les amis. Ok? Voilà, je crois que j'ai répondu au maximum de questions que vous m'avez posées. J'ai fait en sorte de centrer plusieurs questions j'ai fait des pôles en fait dans les questions, comme ma main. 5 questions, une paume, tu vois. Voilà, et cependant, si vous avez d'autres questions, je réponds avec grand, grand, grand plaisir dans les commentaires, partout sur la chaîne et quand on va se rencontrer, parce que ça va forcément arriver. Et
Donc vous allez découvrir mes projets au fur et à mesure. J'aime bien l'idée que vous découvriez tout d'un coup, en fait. Et c'est ce qui donne cette impression de réussite facile. J'aime franchement, croyez-moi que c'est un engagement plus que total. Et c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas je veux devenir le premier youtubeur de France, j'attends. J'attends et ça va se produire. Ça, c'est foutu, ça. Voilà, agissez les amis. Nous n'avons qu'une vie, on se bouge. Et vive TPMP, vive Hanouna, c'est des gens que j'admire vraiment. Alors on le critique aussi beaucoup, je sais bien, tout le monde est critiqué, blablabla, c'est bien, tant mieux, ça passe le temps. Mais en tout cas, il m'a laissé parler. Franchement, respect et merci beaucoup. Et à bientôt, les amis!